Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente, une fois par semaine, un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici, pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Hatsoft Gentlemen It's Adequate fait partie des groupes découverts à l'époque du magazine Neoprog. Si je n'ai pas toujours été tendre avec Malcolm Galloway et sa voix, il possède néanmoins d'indéniables qualités de pianiste et de compositeur. Et c'est justement une de ses compositions, un instrumental mi-progressif, mi-classique, qui m'a décidé à commander son 6e album. Hatsoft Gentlemen It's Adequate surfe sur une vague néo-progressive symphonique avec quelques touches de musique classique, chantée, devrais-je dire parlée, avec une seule corde vocale. Un peu comme The Tangent, en moins fusion, sorti du titre Lava Lamprey. The Confidence Trick décline 13 morceaux de 1 à 10 minutes en un peu plus d'une heure où se glissent plusieurs instrumentaux. Seul 3 artistes jouent sur cet album. Malcolm Galloway, Mark Galland, qui a participé également à la composition, et Catherine Thomas. Un trio met de nombreux instruments, claviers, synthétiseurs, guitares, basses, Tick Chapman, flûte, ainsi que 2 voix, celle de Galloway et de Thomas. Et si la batterie est programmée, cela n'altère nullement la qualité des morceaux. The Confidence Trick parle des erreurs de l'histoire que l'homme s'entête à reproduire, comme dans le long instrumental Refuge, où Malcolm évoque sa grand-mère pourchassée par les nazis. Malcolm chante sur quelques notes très resserrées dans les médiums, avec un phrasé quasi parlé. C'est donc naturellement sur des titres instrumentaux que je trouve principalement mon bonheur. Cela n'empêche pas quelques coups de cœur avec le magnifique Another Plague, à mi-chemin entre Pink Floyd et Fish, un de mes titres préférés de l'album. Invasion of the faceless, the influx of the nameless, landing at the shore. Mais c'est le symphonico-progressif Refuge, à l'écriture très cinématique qui flirte avec le contemporain dans sa partie centrale tourmentée et vers la fin, que j'écoute et que je réécoute sans me lasser. Le morceau fait songer à la musique du voyage de Chihiro ainsi qu'à celle du jeu vidéo Le Dr. Layton. J'aime également beaucoup Silent is a Statement, Cygnus, End of Line et Pretending to Breathe. Quant au titre album, il fait beaucoup penser à du Marillion dernière époque par ses guitares, sa ligne vocale et la basse ronde. Par contre, Perky Pat au clavier néo-électro et le World War Terminus plus parler que chanter, ne m'ont guère emballé. Si Refuge tient le haut du panier, The Confidence Trick recèle d'autres pépites et se révèle un bel album dans son ensemble. Il est à découvrir sur Bandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous !